En Afrique, des millions de déplacés ont fui le groupe djihadiste Boko Haram. Ils sont aujourd'hui menacés de famine. Depuis Oslo en Norvège, 14 pays ont accepté de débloquer 672 millions de dollars sur 3 ans pour leur venir en aide. Un montant encore loin du compte, les Nations Unies estiment les besoins à 1,5 milliard de dollars juste pour cette année. Depuis des décennies, les gens de la région du lac Tchad se sont battus contre la pauvreté et les effets dus au changement climatique. Et trop souvent, ils se sont battus seuls. La terreur causée par Boko Haram a provoqué une crise des déplacés. Maintenant, c'est devenu une grave crise alimentaire. L'aide d'urgence devrait être redistribuée au Nigeria et aux autres pays voisins du lac Tchad. C'est dans cette région que Boko Haram mène depuis 2009 des raids meurtriers et des attentats suicides pour imposer sa propre version d'un salafisme radical.